Il a vraiment fallu la première réunion où on s'est retrouvé avec tous les accompagnateurs, tous les candidats, tous les candidats, pas beaucoup, mais enfin tous les candidats, toutes les candidates, et donc le LAPSET et le consortium de validation de compétences, donc Penelcos et Marie. Et donc là, vraiment, tout a été mis à plat. Il y a vraiment eu un descriptif en disant, voilà ce qu'on attend de vous, les accompagnatrices, accompagnateurs, voilà ce qu'on attend des candidates, voilà à quoi ça va mener. Il y a quelque chose d'une richesse vraiment extrêmement grande. C'est que la toute première fois, on s'est vu sans les candidats le matin. Et je trouve que ce qui a été intéressant, c'est que par rapport au questionnaire, on a lu le questionnaire ensemble. Et il y a des termes sur lesquels mon collègue et moi n'étaient pas trop d'accord en se disant, on a un public issu de cellules de reconversion. Et donc, attention à certains termes. Et ça a été entendu. Et ça a été sur le champ rectifié. Et donc, c'était nous aider à aller plus loin en disant ils ont confiance en nous, donc ils nous reconnaissent comme ayant les compétences pour travailler ensemble. Et ça, c'était. Je dirais la confiance était installée d'entrée de jeu Ah quand oui, on dit ok. voilà, on donne une info, on dit attention à ces termes-là, mais je peux me tromper. Et comme Vivienne disait, l'université de Liège dit ah, ok, c'est juste, on va rectifier, donc ça veut dire qu'on est tous dans le bon. Et donc on se dit bah, ok, on est tous dans le bon, on peut y aller, quoi. Ok. Certains pensent qu'il faut faire confiance aux candidats. Parce que. Alors, c'est pas que je ne lui faisais pas confiance. C'est juste que je me suis dit que si le consortium de validation de compétences attendait ça, tel quel, il fallait mettre toutes les chances de son côté en le rédigeant tel quel. Et donc, je pense qu'elle m'avait dit, moi, j'aurais fait autrement. J'aurais dû lui faire confiance en me disant, mais ça doit rester sa personnalité. Et donc, maintenant, je le saurais. Mais je pense qu'aux accompagnateurs, il faut leur dire, voilà, laissez vivre vos candidats quand même, laissez s'exprimer. Et si vous trouvez que le cadre a vraiment trop débordé, demandez une confirmation à chaque fois que vous vous voyez en équipe. Mais voilà, de faire confiance au candidat, de laisser exprimer sa personnalité en tous les cas. Chose que je n'ai pas su rendre compte, que la correction que j'avais apportée n'était pas du tout la correction qui avait été apportée par le LAPSET. Parce que Laurence m'avait quand même envoyé en disant, voilà moi ce que j'ai fait du travail de Viviane, voilà ce que je te renvoie. Et on n'avait pas du tout le même, on n'avait pas mis l'accent sur les mêmes choses. Moi, ce que je me suis dit, je dis, ben voilà, on va regarder la forme, la virgule, on va regarder les S, les accents, on va être vigilant puisque c'est un travail d'employé administratif, qu'il n'y ait pas de faute, tout en sachant que Viviane n'est pas la reine de la faute. C'est juste qu'à la vitesse à laquelle elle l'a pondu, elle l'a rédigé, il fallait vraiment que. Je dis, même nous, hein, quand on tape très vite, c'était plus des fautes de frappe que des fautes de français. Et donc, j'avais vraiment mis l'accent là-dessus, j'avais corrigé la forme ou un verbe erroné. Et en définitive, c'était pas du tout notre job, ça. C'était une correction du genre, ok, le point 1, c'était, je ne sais plus moi, l'archivage. Et donc, dans quelle mesure ce qu'elle dit correspond bien au point 1, archivage, ou au point 1, 2, classement dans les sous-dossiers, j'invente. Et donc, voilà, c'était plus au niveau de la structure, et moi, je m'en étais détachée. Et donc voilà, ça je pense que c'est important de le dire à l'accompagnateur, de lui dire tes corrections, voilà quel type de correction on attend de toi. Parce qu'alors ici, j'étais à côté, quoi. Voilà. Il a perdu à plusieurs reprises. Et donc à chaque fois, c'était vraiment dire, je pense que l'encouragement est quelque chose de très important. Et donc je pense que le contact est quelque chose d'important. De se dire, ben voilà, même si la candidate est en train de travailler chez lui, ben, d'envoyer un petit mail en disant est-ce que tout se déroule bien? Parce que s'il est dans son monde en train de rédiger, voilà, il peut peut-être sur un point suer et être en train de bloquer et se dire c'est trop compliqué, tant pis. Et alors qu'un petit éclaircissement aurait suffi. Et donc le petit mail bling qui arrive en disant est-ce que tout va bien? Ben non, ça ne va pas, j'en ai marre, c'est difficile, ce point-là je ne comprends pas, mais c'est pas grave, on en parle. Et donc je pense que ne pas attendre que le candidat vienne avec sa demande en disant ça je n'ai pas compris là-dessus, j'éprouve des difficultés, mais vraiment de dire régulièrement est-ce que tout est ok? Est-ce que ça se passe bien pour toi? Parce que bon ici c'est différent, comme c'était un test, il y avait un délai extrêmement court. Et puis en même temps, quand on a reçu les informations, je pense que c'est Laurence, mais enfin, peu importe, du LAPSET, qui disait waouh, quel travail de qualité, bravo, félicitations à toi. Alors c'est comme Viviane disait, c'était waouh, c'est l'université de Liège qui m'a dit bravo. Et donc il y a un regard
beaucoup plus, non pas professionnelle, c'est pas qu'elle ne trouve pas que je suis professionnelle, mais externe, autre, externe et clairement sans affect, objectif, oui, mmh. complètement objectif et neutre. Et donc, mmh. évidemment, quand ça vient conforter ce que je dis, on dit bon, waouh, wow, ok quoi, mmh. Et voilà, ça c'est important. Et donc, ouais. de toujours bien transmettre les informations à la candidate en disant je ne le dis pas pour que tu avances, je le dis parce que je le pense. Mmh. Et si je pensais qu'à certains moments, ça n'est pas ce qui est attendu, on irait vers, on irait dans un autre sens. Donc ça, c'est vraiment important. Soutenir le candidat, aller vers lui, ne pas attendre qu'il soit dans la pénibilité, la difficulté, mmh. Pour l'en sortir, c'est éviter qu'il...